Un nouveau vent vient de voir le jour dans l'arène des mouvements sociopolitiques œuvrant en République démocratique du Congo. Agir pour le peuple, c'est ces mouvements de la société civile composés des jeunes et femmes conscients dont la sortie officielle a eu lieu dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, le 2 octobre 2021 dernier. À Kananga. Tout porte à croire que le chemin est balisé pour un avenir certain de cette jeunesse au regard de la marée humaine qui a rehaussé de sa présence à cette cérémonie une manière de témoigner son adhésion au sein de la nouvelle philosophie « Tout pour le peuple, rien sans le peuple ». Ces mouvements sociopolitiques de la société civile dont la mission est de prendre les desiderata du peuple souverain afin de le soumettre aux autorités compétentes en guise des solutions durables et urgentes, la parité hommes et femmes est une règle d'or car elle est basée sur la méritocratie et non le favoritisme. Offrir le meilleur de la mère patrie, tel est le leitmotiv de cette génération consciente, déterminée de donner pour leur pays, a renchéri la secrétaire générale de ces mouvements sociopolitiques, Madame Christelle Makengo, qui en toile de fond définit les objectifs poursuivis par cette ASBEL tout en motivant le choix des Kananga comme province pilote du lancement officiel. Agir pour le peuple, agir pour le peuple, et ça. Mouvement à caractère social et politique. Ah, tu dis que c'est un petit sang-chant, mais la société civile libérée, tu dis. Mais aussi, la capitale, à caractère national. Ah, tu dis que moi, tu tournes, tu dis, il y a mon assengi. Tu vois, tu dis, 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 tu Au sein de cette association sans but lucratif, quelques invités des marques ont été conviés tout de même à cette cérémonie. Quid de l'apport de cette structure dans le moule de plusieurs plateformes de cet akabit. De telles initiatives de la jeunesse consciente méritent un soutien tous azimuts. Tels sont les propos de M. Kongolo Pandé Jean Bonheur, membre d'honneur des Agir pour le peuple présent à cette activité. Nous devons rappeler nos élus. C'est juste un mandat. Après 5 ans, nous voulons voir des solutions. Nous avons marre de promesses et de promesses. Raison pour laquelle agir pour le peuple. Nous sommes nés aujourd'hui pour rassurer aux autorités, rassurer la population. Nous sommes prêts au sacrifice suprême pour voir l'électricité, l'eau, l'éducation, la santé dans nos provinces. L'union fait la force, comme diraient les Sud-Africains. Ils sont ensemble pour un échange fructueux d'expériences afin de doter à la RDC, tant soit peu, une classe de femmes et hommes capables de redorer le blason terni dans plusieurs domaines. Maître Justus Chikona, coordonnateur pays de la plateforme LIREC, explique la raison de l'adhésion des structures du jeunes à ces mouvements. Ce sont des jeunes animés par l'esprit patriotique. Un courage historique pour faire arriver les changements. Tout le monde a compris que tout a changé en province.
Même exercice qu'a procédé cette structure dans la province du Congo central. Ici, plusieurs jeunes ont eu à réussir de leur présence à cette manifestation, dont la plupart d'entre eux se sont décidés d'adhérer à ces mouvements sociopolitiques qui a vu le jour depuis Kananga et s'engagent à lutter contre les antivaleurs. Nous étions restés longtemps en sommet très profond, mais aujourd'hui, nos aînés de Kinshasa qui ont pris cet engagement, n'est-ce pas, de pouvoir sensibiliser des jeunes pour, n'est-ce pas, booster au développement de notre pays. Voilà, je suis tellement ravi parce que nous, aujourd'hui, ici à Matadi, plus précisément au Congo central, nous aurons maintenant des moyens nécessaires pour que la population, la jeunesse actuelle, aille de l'avant juste pour se lever et plaider contre les antivaleurs de notre pays. Dorénavant, la jeunesse congolaise a un porte-parole face aux institutions, agir pour le peuple.